Salut à tous, c'est Seven Set Cabal. Bon, ok. Salut à tous, c'est Seven Set Cabal. Et on se retrouve pour l'épisode numéro 3 de Watch Dogs. Donc, je viens de prendre un petit bain, j'ai fait un petit pipi, puis on est reparti. Donc, à noter que c'est un peu crade la salle de bain, Aiden Pierce. Bon, j'ai récupéré tout ce qu'il y avait à prendre. Là, j'ai regardé un peu vite fait si j'avais des skins, etc. Bon, j'en ai qu'un seul. Pas intéressant. Je préfère celui-ci, il est plus beau. Plus stylé. Et on va se reposer tout de suite. Allez, 6 heures parce que, ouais, parce que je suis un lève-tôt, moi. Ok, pas me faire chier. La tour elle est où? N'importe où. Je veux pas aller n'importe où, moi. Je veux aller à Pony. Ok, c'est toi le chef, on ira à Pony. J'en peux plus de me souvenir d'elle comme ça. Je rêve plus jamais de son visage à la fenêtre quand j'allais les voir. Ou de la petite danse rigolote qu'elle faisait. C'est toujours le même cauchemar. Ouais. Donc voilà. On en apprend un peu plus sur l'histoire, c'est vrai que l'histoire est triste. Je l'avais déjà dit la première fois, putain, ça me fout des frissons tellement c'est triste. La musique et tout, l'ambiance sonore est vraiment, ça colle bien à la thématique. Il faut que je me change les idées. Heureusement, la ville est pleine de distractions. Et elles ne peuvent pas m'échapper. Lui, il est accro au téléphone rose. Ouais. Donc, sortez de votre chambre, utilisez le profiler sur les passants dans le périmètre de votre plan pour détecter les zones potentielles. Ok. Donc, ce que je voulais dire, c'est que les cinématiques, faut pas croire que je bug ou que votre ordinateur bug. C'est vraiment fait pour. Enfin, voilà, c'est le but, quoi. Des images par pixel, etc. Et je trouve que c'est vraiment un concept vraiment novateur, on va dire. Pas aller comme les grands. Faudrait quand même que je remercie le CityOS. Une petite brèche dans leur logiciel de reconnaissance faciale. Et voilà, j'ai accès aux données personnelles de tout le monde. Engine système. Et à moins de fabrication. Compte bancaire. Oh, machin. Ah oui, c'est machin. Bon, c'est pareil. Là-bas, il y a un truc. Crime potentiel détecté. Mec, il se passe quoi? Il se passe quoi? Elle a pourri ma vie. Elle va payer, putain. T'énerve pas, réfléchis. Mon cul, ouais. J'y vais tout de suite. Ce mec a l'air violent. Il faut pas le laisser s'en prendre à quelqu'un. Je vais le retrouver. Un mouchard sur son appel. Et je le tiens. Il vient d'être muté à l'écran. Ça, hop. On va aller à l'endroit. C'est pas facile, vous allez voir les crimes potentiels pour ceux qui n'ont pas posé ma première vidéo. C'est vrai que c'est pas facile à mettre en œuvre parce que. Faut pas être trop près, il faut pas être trop loin, il faut bien taper au moment où il faut, ouais, sinon ça fonctionne pas. Voilà,
Il est dans cette zone. Faut que je fasse attention, ne pas me faire repérer. Et laisser le profiler faire son travail. Ok, c'est celle qui va se faire... Lequel c'est celle qui va se faire agresser, si je ne m'abuse. Bon, il devrait plus être très loin. Qu'est-ce qu'on a compris, ton petit manège? Ça trompe personne, ta façon de marcher, tes habits. Tu peux pas faire semblant. Il y a une caméra dans le coin qui permet de pas bien. On n'est pas aveugle, mais faut te remettre. Même ça, regarde. Tu parles jamais comme ça d'habitude. Comment tu veux qu'on te prenne au sérieux? Hey! Le voilà. On peut discuter. Mais je veux pas en parler avec toi, tu comprends? C'est on fini, fais-toi une raison. C'est tout faux, c'est pas terminé. Mais voilà, arrêtez maintenant. Tu regardes quoi là? Oh, ah, je me cours de... Le bouton, donc ça va pas le faire. Démence légère, d'accord. Il y a pas ici. Tiens, pas du bien dans la bouche. Il n'embêtera plus personne maintenant. En plus, j'ai réussi à faire sauf qu'il s'engage sur mort. C'est good. Nikki, oui, je sais, la fête a commencé. Elle est presque finie. Où est-ce que t'es? Là, je suis sur la route. Mais tu le fais exprès. Tu sais à quel point c'est important pour Jackson. Dépêche-toi, on a envie de te voir. Oui, moi aussi. Je serai bientôt là. Désolé, Nikki, j'ai un double appel. On se voit bientôt. Cool, tu t'en es tiré. Écoute, si jamais t'as besoin d'une voiture, appelle-moi et je t'arrangerai ça. Des voitures d'occasion? Tu préfères passer par un concessionnaire? Ce mec, je lui pose pas de questions et il me trouve les voitures que je veux. Alors si ça t'intéresse... Ok, j'y penserai. Et Maurice, comment il va? Oh, t'inquiète, il est dans une forme olympique. Je vais le déposer à ma petite décharge personnelle. J'ai besoin de lui vivant, Jordi. Ouais, ouais, vivant, comme tu veux. T'as pas l'habitude, hein, c'est pour ça. Perso, je l'aurais déjà descendu, mais c'est toi qui paies, et très cher. Alors tant que tu paies, il reste en vie. Voilà, donc maintenant on peut le déliquer à faire. Donc on va se diriger vers là-bas. Je vais à la petite maison dans la prairie. Et je vais piquer la voiture. Non mais je voulais la voiture, mais pas le camion. Un crime potentiel. Bah du coup on va aller faire le crime potentiel et puis on s'arrêtera là parce que je cherchais comment faire que la vidéo dure 10 minutes sans pour autant mettre le véhicule, enfin aller jusqu'à la maison etc. Et du coup bah, on va faire le crime potentiel. Bon, en général les crimes potentiels c'est dans les petits trucs. Encore ici. J'ai recueilli. Ah si, il est là. Je vais tuer le méchant, mon ami. Pas lui, méchant. Ouais, si. Oh, putain, il est derrière. Je suis pas là, je suis caché derrière la poubelle. Hein? Lucky Queen te passe le bonjour, enfoiré. Et voilà. Merci pour ton gun. On va le ranger pour éviter de se faire tabasser. Hop, et du coup je suis de rang protecteur en haut à droite. Je sais pas si vous voyez. Enfin, je pense que oui. Tu gagnes des points. Après tu gagnes des points de compétences qui permettent d'augmenter
comment dire, augmenter tes attributs du style faire les bornes escamotables, etc. On a dû balancer le colis. Merde, tu sais où? Ouais, mais on nous espionne peut-être. Ça vaut pas le coup d'y aller. Ok, merci pour cette... Et voilà les amis, on se laisse là. On se laisse là. Bon, j'espère qu'un jour je vais croiser Marco. Oh putain! Oh putain, le voilà. Marc-Antoine. Ah non, c'est pas lui. J'ai vu que c'était Marc-Antoine. C'est tous ensemble. Ouah, je pense qu'on devrait pas tarder à le croiser. Hop, j'ai gagné une voiture et une sonnerie de portable ou une sonnerie, je sais pas trop quoi. Bon, bah, c'est tout les amis. On se laisse là et je vous dis à la prochaine pour l'épisode numéro 4. Déjà. Que sais-tu au sujet des négociants de grains? Ravi de te voir, moi aussi. Bah, sinon, t'es sûr que t'es pas un petit peu curieux?